Bonjour à tout le monde, donc du coup on se retrouve dans la continuité de cette journée mais dans une autre vidéo pour vous, tout simplement pour vous faire ma routine du soir. Donc là il est 18h13, donc en général vers 18h-18h15 je redescends et je retourne pour m'occuper des filles pour une routine totalement différente du matin, où là on va vraiment s'axer sur le box étant donné que c'est là qu'elles vont passer la nuit. Donc on va remplir les bassines, repailler, mettre un petit peu de foin, rentrer Mala, aller chercher Biquette pour la rentrer avec elle et ensuite donc rentrer Hermione. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. In a place to hide, in a... À 18h15, ma night routine commence donc. Je commence par escalader la séparation du box pour entrer dans le box accompagnée de ma fidèle fourche, tout simplement. Je commence donc par prendre le seau de Biquette qui est caché sous le foin, tout simplement pour pouvoir remplir les bassines d'eau par la suite. Ensuite, je vais repailler un petit coup. Donc là, j'ai simplement mis une petite tranche de paille et j'ai rabattu les bords du box vers le milieu, tout simplement pour leur faire un bon petit matelas bien douillet pour la nuit. Ensuite, je vais donc faire un gros tas de foin à Hermione à côté de sa bassine, tout simplement pour qu'au moment où elles vont être séparées chacune de leur côté dans le box, elles aient chacune leur petit tas de foin. La deuxième étape qui est donc de prendre le seau qui va servir après pour l'eau de Biquette pour pouvoir remplir les deux bassines d'eau dans le box, donc celle d'Hermione et celle de Mala. Hermione a comme par hasard et comme d'habitude envie de boire pile à ce moment-là et adore regarder ce qui se passe dans mon seau au cas où il y ait des granulés qui apparaissent miraculeusement. C'est jamais le cas, mais on sait jamais. Du coup, je me sers directement dans la bassine de dehors que j'ai au préalable du coup remplie à fond pour pouvoir prendre assez d'eau pour les bassines. Du coup, je remplis. Après avoir mis l'eau, vient donc l'étape de rentrer les filles. Donc étape un petit peu compliquée, vous allez voir. Donc je commence par fermer Mala dans le box, aller attraper Biquette, mettre donc Biquette avec Mala. Donc je l'amène avec une petite longe parce que c'est beaucoup plus simple qu'en liberté. Ça se passe vraiment très très bien, elle s'est vraiment bien habituée à ça. Ensuite, je vais aller fermer la barrière à stabulation qui me permet de séparer les filles la nuit quand il y a Hermione à la maison. Donc Mala sait qu'il faut se pousser à ce moment-là, du coup elle se met à sa place. Biquette a pas trop compris encore le principe, mais ça commence à venir. Et du coup, une fois que j'ai fermé la barrière à stabulation, je peux enfin rentrer Hermione de son côté et tout le monde est à sa place. Personne ne peut se chamailler pendant la nuit et tout est parfait. Après les avoir rentrés, je leur donne toujours la petite récompense, donc un petit bonbon chacune, étant donné que ce jour-là, elles étaient très bien rentrées, Biquette s'est super bien laissée attraper, Hermione a été très gentille également, donc elles ont bien le droit à leur petit bonbon en tant que récompense. Thank you.
En général, entre le moment où je les rentre et le moment où je leur donne à manger, il y a une bonne demi-heure. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que je remonte dans ma chambre et j'en profite pour faire un gros câlin, exactement comme le matin, à ma minette Tigrine. J'en profite également pour appeler mes copines et bien entendu appeler Cassandre en FaceTime. Coucou ! Regarde, toi aussi t'es filmée. Ah, pas mal. Pas mal. On est en train de tourner une vidéo en même temps et on s'appelle en même temps. Nickel, voilà. La petite routine du soir. Après celle oui, du matin, soir. Celle du soir. Aux alentours de 19h-19h15 vient donc le moment de enfin se bouger les fesses de son lit. Je me lève et je regarde toujours un petit coup par la fenêtre et voir si Hermione a la tête dehors. Si elle a la tête dehors, ça veut dire que c'est l'heure de manger. Et du coup, à ce moment-là, je descends et je vais pouvoir aller leur préparer leur gamelle de granulé. Donc exactement comme le midi, elle mange du grain Equifers, donc Mala du Omega Mix et Hermione du breeding, donc du élevage. Et elles ont exactement les mêmes doses que le midi. Je vais donc ensuite leur apporter les gamelles, donc on a un ordre très précis. Je donne toujours à manger à Mala en premier, ensuite à Hermione et ensuite à Biquette. Donc Mala, je lui mets dans sa mangeoire en hauteur, tout simplement parce que sinon Biquette lui mange ses granulés et ses sources de chamaillerie. Biquette a ses granulés spécial chèvre de la marque Sanders, parce que vous me l'avez beaucoup demandé. C'est des granulés chèvre d'élevage que je lui mets dans une petite bassine soupe que j'ai acheté sur Private Sport Shop, et Hermione a tout simplement ses grains dans un seau très standard. Ensuite vient donc la mission couverture si besoin. Donc Mala a été tondue, mais elle a le poil qui a repoussé, mais elle est quand même très frileuse. Donc quand il fait moins de 5 degrés, je lui mets simplement une petite polaire pour la nuit. Là, le jour où j'ai filmé la vidéo, il faisait minimum 2-3 degrés dans la nuit. Donc j'ai décidé quand même de lui mettre une petite polaire, l'histoire de lui garder le dos au chaud et d'être sûre qu'elle ne prenne pas froid avec les changements de température. Et ensuite, voilà la dernière mission auprès des chevaux avant de leur dire bonne nuit et de m'en aller. Je vais donc leur donner le petit bonbon. Donc tous ceux qui me suivent sur Insta connaissent cette petite routine parce que je vous la partage très très souvent. Le matin comme le soir, on a notre petit rituel du petit bonbon. C'est comme le bonjour, c'est comme tout ça, c'est notre petit rituel. Et les filles ont très très bien compris le truc. D'ailleurs, Biquette a très très bien compris également, comme vous pouvez le voir sur les images. Tu veux danser ? Après être rentrée et avant d'aller manger, ma première mission est de me laver les mains. Déjà pour éviter la propagation du virus, parce que nous sommes en période de confinement et d'épidémie. Et dans tous les cas, je le fais toujours, étant donné que je viens de m'occuper des chevaux, que j'ai touché les chevaux, que j'ai touché la fourche, que j'ai potentiellement touché du crottin ou des choses comme ça. Je me lave toujours les mains avant d'aller voir les filles et après. Avant-dernière étape de la soirée, c'est la pause miam miam, donc le repas du soir devant la télé. Je sais que c'est pas bien, mais on regarde toujours les infos le soir avec ma mamie et mon papa en mangeant. Donc ce jour-là, c'était ratatouille avec légumes, et en dessert, comme d'habitude, je prends toujours ça, une petite compote qui passe bien.
Le temps de manger, de papoter avec mon papa, avec ma mamie, de faire des bisous aux chiens, tout ça, il est déjà aux alentours de 20h45 au moment où je peux enfin me reposer dans ma chambre. Donc je me mets directement en pyjama dès que je monte, j'allume la télé et là, bon bah là j'ai triple écran, c'est pas un bon exemple, mais j'étais en train de répondre à un message, en même temps j'étais en train de préparer ma commande Kramer, que d'ailleurs je n'ai pas encore passée, il faut que je la passe, c'est une commande de clôture, et avec la télé en fond. Et ensuite, bah, je vais passer une bonne partie de la soirée comme ça, regarder un peu Netflix, regarder un peu la télé, squatter un peu mon téléphone, et voilà, je vais jongler entre guillemets un peu sur les trois écrans. C'est pas du tout bien, mais c'est ma vraie night routine. Oupsie. Et ensuite, ma night routine est terminée, j'éteins la lumière et je vais faire dodo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et moi je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!